Je veux dire, une plus grosse question que la majorité de nous qui a commencé dans le monde audiovisuel là toujours chercher un monde qui est plus professionnel pour y poser. C'est qui modèle ou qui marque caméra que vous êtes supposé acheter pour commencer. Si vous faites partie de la monde ça, vidéo ça c'est pour vous. Actuellement, il y a plein de jeunes qui veulent commencer dans le mouvement audiovisuel là, qui se fait vidéo, qui se fait série, qui se fait podcast. Je veux dire, la réponse qui m'a dit tout le monde qui a tout ça dans la tête, c'est éducation. C'est vrai qu'une bonne caméra actualisée a bon toute bonne qualité qu'il a besoin. Mais ça qui est plus important, c'est vous-même qui parle derrière caméra. Si vous voulez entrer dans le monde audiovisuel là, à tout cœur, m'a tout faut connaître. Son monde qui m'a des investigations sans fin. En même temps, l'âge a monté, technologie a pas actualisé, c'est même gens pour actualiser ses voix tout. Grand pile bagaille qui a sorti, grand pile nouveaux choses qui a sorti, faut qu'on apprenne qui gens ou utiliser. Et pour solutionner problème ça, aider ou même qu'à entrer dans le monde audiovisuel là, m'a lancé une série de vidéos à partir de jeudi à là, côté m'a parlé de basique photographie. Non pas c'est Peter Charles, je suis membre de JPB Studio et ça c'est photographie en créole. Et pour commencer à série ça, m'a touché un thème dans la photographie qui est le triangle d'exposition. Triangle d'exposition, on parlait de trois facteurs dans la caméra qui soit pas utilisé ou bien ou à créer quelle que soit image que vous avez en tête. Ou. Facteur ça qui c'est ISO, vitesse d'obturation, et diaphragme. Pour nous commencer avec définition facteur ça, on va commencer avec ISO. Qui ça qui ISO? ISO c'est un facteur dans la caméra qui autant que utiliser une valeur qui plus haut, on obtient plus illumination. Autant que on utilise une valeur qui plus bas, on obtient moins illumination. ISO a li chauffe capteur là, li fait capteur là vigne plus sensibilité avec lumière qu'il y a recevoir à partir de lentille. Alors pour m'expliquer au plus simple, ISO ca joindre ni dans partie inférieure dans la caméra, on obtient ni par certains numéros qui c'est 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 et jusqu'à ISO 12800. Alors, soit faire en photo ou bien soit filmer en vidéo ou mettre dans ISO 100. Dans ISO 100, on a moins illumination qui a entré dans le capteur là et en même temps on a plus qualité. Autant qu'on a monté ISO 200, ISO 400, ISO 800, en même temps on a commencé à voir que dans image on a capté à la gain de plus en plus un petit grain et on laisse ça au bruit. Ça fait ça. C'est parce que autant que vous utilisez un ISO Piro, capteur là, les chauffer plus pour les bonnes images qui plus clair. Et nous venons gagner comme conséquence si grain ça qui est dans l'image là qui est relé bruit. C'est ça qui fait ça. Dépend du style de résultat que vous voulez gagner. Là, toujours en faveur pour utiliser un ISO qui est plus bas. En même temps, il faut que vous sachiez qu'on est caméra qui est dans mon là, qui ISO de base. Li. Les gens disent ISO de base, il y a un pile de caméra qui ISO base, commencé par ISO 400. Quand ça trouve une caméra qui puisse actualiser que ISO base a commencé par ISO 800. Ça signifie ISO base. Là où dit ISO base, ça signifie que dans ISO ça, si vous mettez caméra dans ISO 800, il n'y a pas de bruit et c'est là dans la caméra à bord une image qui est plus claire, qui est plus propre et qui a plus qualité. Alors, si vous avez filmé à ISO 100, vous avez connaît moins illumination. Pour ça, il y a deux facteurs qui sont diaphragme et vitesse d'obturation. Pour deuxième point, on a touché diaphragme. C'est un élément qui est dans l'antilan qui a comme fonction permettre capteur à recevoir plus ou moins illumination. On peut identifier le diaphragme comme numéro F. Il y a un lentille qui commence à partir de 1.4 jusqu'à F16. F16 là, c'est le numéro qui est plus haut. F1.4 là, c'est le numéro qui est plus bas. En même temps, on va t'expliquer que dans ISO, le numéro qui est plus bas, c'est le numéro qui a moins illumination et le numéro qui est plus haut, il a plus illumination. Et nous avons comme conséquence, autant que le plus haut, nous avons plus bruit. Autant que le bas, nous gagnons une image qui a plus qualité. Ok, quand on a un diaphragme, c'est un bagage qui est vraiment différent. Autant que le numéro est plus haut, nous gagnons moins d'illumination. Autant que le numéro est plus bas, nous gagnons plus d'illumination. Ça fait ça. Autant que le numéro est plus bas, il permet au capteur de recevoir plus de lumière. Ça veut dire F1.4 là, c'est le moment que l'élément qui forme le diaphragme est ouvert complètement. Galantique commence par 1.2 mais n'a pas comme base 1.4 et en même temps tout l'aile dans F16 c'est dans le moment que l'élément est fermé. OK, qui ça qui peut venir en différence qui est fermé ou bien il est ouvert. L'aile est ouvert, j'aime te dire à l'aile qui était plus lumière passée à jeune capteur là qui fait au cas venir une image qui plus claire et l'aile dans F16 qui était moins lumière entre qui fait au cas venir une image qui ont déjà plus sombre. Et en même temps chaque numéro ça a un autre facteur qui vient après qui est le deuxième foqué en espagnol. En créole, nous connaissons comme image floue. Qui j'en nous avons une image pour fond image l'appareil ton petit genre plus flou. Autant que numéro diaphragme plus bas, qui c'est 1.4, n'a bien plus illumination. Et comme conséquence, n'a bien une image avec un fond qui plus flou. Autant que F la plus haut, comme yon F16, n'a bien une image qui gagne moins illumination. Et en même temps, n'a bien un fond qui complètement visible.
Ça va dépendre de qui image et qui résultat vous voulez gagner, ou qu'à utiliser un F4 ou bien un F16. Et pour répéter pour nous encore, numéro F pi bas qui c'est 1.4, là bon comme résultat plus lumière et une image avec un fond flou. Et un F16 a bon une image qui ont tige plus sombre et un fond avec plus information. Nous touchons ISO, nous touchons diaphragme, qu'on y a nous rété vitesse d'obturation. Vitesse d'obturation, nous avons défini comme nombre de temps qui nous permet la caméra capter plus lumière pour nous jouer une image que nous désirons. Et qui gère fonctionner. Dans la caméra, on a un numéro qui commence par 1. Ou qu'on joue ni pas 1 par 8, 1 par 15, 1 par 30, 1 par 60, 1 par 500, jusqu'à 1 par 1000 ou plus. 1 par 8, la caméra gagne plus de temps pour les capter, plus illumination. Par exemple, vous prenez 1 seconde ou divisez en 8. Ça veut dire que la caméra prend 8 temps ça, dire 1 seconde là pour les faire une photo. Il y a 1 seconde ou partir en 1000. Ça veut dire, dire en 1000 ça, la caméra prend 1 millisecondes pour lui faire une photo rapide, pas vrai? C'est même genre caméra li pas gagne assez temps pour lui capter en pile lumière. C'est ça que fait. Autant que vous utilisez 1 par 1000 ou gagne moins illumination ou 1 par 8 ou gagne plus illumination. Pour un autre bagage, nous ca mettre vitesse d'obturation en pratique. Par exemple, pour faire photographie de football. Là pour faire photographie de football ou connaît joueur toujours en mouvement, joueur toujours à courir et au rapide. Si on fait une photo utiliser 1 par 60, photo ça apparaît avec joueur en mouvement, joueur apparaît en tige, j'aime te définir ça flou. Pour faire une photo un joueur football, on pas obligé utiliser une vitesse wow. Ou par exemple, il y a 1 par 500. Là ou ca faire photo ou un joueur immobile ou bien ou monter en tige pyro 1 par 1000, 1 par 2000, mais pour ça on a besoin d'une lentille qui capte en pile lumière. En même temps, on peut utiliser facteur de gain avant qui c'est ISO diaphragme accompagné avec vitesse d'obturation pour ca gagner une image décent et accord à ça on cherche. Pour nous expliquer le simple. Autant que vous avez une vitesse d'obturation plus bas, l'image apparaît en mouvement et vous avez plus d'illumination. Autant que vous avez une vitesse d'obturation qui est plus rapide, 1 par 1000 ou 1 par 2000, vous avez une image immobile, mais vous avez une image plus sombre. Avec ça, nous finissons la vidéo aujourd'hui. Si vous avez des doutes, juste écrivez dans les commentaires et dans la prochaine vidéo, nous n'avons pas clair de tout rien. Et on le fera encore. Non, pas M. Peter Schall et ça, c'est Photographie en créole.